Non. Je sais même pas comment il est habillé aujourd'hui. Il a un grand chapeau noir. Tiens, le voilà. Voilà l'homme au chapeau. Salut Corentin. Salut Tiffaine. Salut. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de la nature, qui est toujours en train de se transformer, sur des bases naturelles. Mais dès que l'homme s'en mêle, hop, tout s'accélère. Alors jusqu'où l'homme est capable d'aller sans mettre en péril son environnement? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, d'autant plus que l'environnement des uns n'est pas forcément l'environnement des autres. Il se trouve justement que le marais Poitevin, entre Charente-Maritime et Vendée, est au cœur de cette problématique. Et c'est là que je vous entraîne aujourd'hui. On est sur une île, ça vous épate? Oui. On appelle ça maintenant une butte témoin, mais c'est vrai qu'autrefois, il y a 8000 ans, c'était une île. Et il y en avait plein comme ça de ces îles, au milieu d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le golfe du Poitou. Alors imaginez un petit peu le décor. Une île calcaire, on est dessus aujourd'hui. Tout autour, de l'eau. La mer était pas loin évidemment, elle était tout près. Mais il se formait des flèches de sable sur le littoral, du sable porté par les courants. Et ces flèches de sable venaient presque boucher l'entrée du golfe. Donc, l'eau du golfe était très calme. Et comme il arrivait des fleuves et des rivières qui déposaient dans l'eau du golfe leurs limons, leurs sédiments, eh bien, petit à petit, ces sédiments qui se déposaient en couronne autour du golfe, eh bien, se sont accumulés. Et petit à petit, le golfe s'est refermé à cause ou grâce aux alluvions. Encore aujourd'hui, ce golfe se remplit de sédiments. Et on en est témoin de ça sous nos yeux. Et on verra tout à l'heure, à la fin de notre balade, dans la baie de l'Aiguillon, on verra ces sédiments continuer à se déposer. Et les hommes dans tout ça? Oh bah, il y a 8000 ans, les hommes étaient présents. Et pendant des milliers d'années, les hommes ont vécu comme ça, paisiblement, à la périphérie du golfe du Poitou. Et curieusement, personne s'est dit, au fait, tiens, si on s'installait sur la vasière, parce que la vasière commençait évidemment à remplir le golfe, il a fallu attendre l'an 1000. Alors ça, c'est quand même amusant, parce que pourquoi l'an 1000? Ben, c'est parce que les hommes avaient peur de l'an 1000. Comme certains d'entre nous ont eu peur de l'an 2000. Ils s'imaginaient que ça allait être la fin du monde. Et voyant qu'il ne se passait rien, ça leur a donné du courage, et ils se sont dit, tiens, après tout, si on commençait à aménager la vasière. Mais en réalité, les vrais grands travaux ont commencé au XIIe siècle grâce aux moines, parce qu'ils avaient de l'argent. Ils avaient de quoi payer des gens pour creuser des canaux qui permettaient d'évacuer l'eau ou de construire des digues qui, au contraire, la retenaient. Bien l'histoire des canaux qui emmènent l'eau vers la mer, mais les digues, à quoi ça sert? Ah, les digues, elles sont absolument indispensables. Regarde, par exemple ici, on est entre deux mondes. Par là, c'est le monde salé, c'est la mer. Et par là, c'est la terre, avec l'eau douce. Ici, on est dans un paysage qui est quasiment au niveau de la mer. Donc, quand il y a des tempêtes ou de fortes marées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau de mer arrive par ici et envahit la terre. Alors, l'eau de mer, évidemment, charrie du sel. Et c'est pas bon du tout pour le sol, ça tue les plantes. Donc, il faut absolument retenir l'eau de mer pour qu'elle ne vienne pas empoisonner les plantes et puis qu'elle ne vienne pas non plus envahir les terres. Ça peut créer des dégâts. Depuis fort longtemps, on s'inquiète de ça. Et déjà, sous Henri IV, on se demandait comment retenir l'eau de mer. Et là, juste dessous, il y a une porte qu'on appelle la porte à flot, qui a été construite par les Hollandais. Eux, ils savent fabriquer des digues, ils savent fabriquer des portes à flot. Ils se protègent de l'eau de mer. Ce qui fait que, quand il y a de fortes marées, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle arrive par là, la mer pousse par ici.
Et du coup, elle ferme les portes. Elle n'arrive pas à passer. Et en marée basse, quand l'eau de mer s'évacue, l'eau douce qui arrive des terres, elle, elle peut pousser les portes, elle peut les ouvrir. Donc grâce à ces portes très astucieuses, on est protégé des envahissements d'eau de mer et on permet à l'eau douce de filer vers la mer. Et c'est ça qui est à l'origine de l'installation progressive des hommes dans le marais Poitevin. On nous a parlé du marais mouillé et du marais desséché, mais qu'est-ce que c'est au juste ? Ah ben je vais essayer de vous expliquer tout ça. Ici, on est sur la ceinture des Hollandais. C'est une digue qui a été créée sous Henri IV. Alors de ce côté-là, c'est le marais mouillé. De ce côté-là, c'est le marais desséché. Alors du côté du marais mouillé, l'eau est retenue. Ce qui fait que l'hiver, quand il pleut beaucoup, lorsque les rivières amènent beaucoup d'eau, le niveau de l'eau monte. Alors évidemment, c'est un côté qui est inondé. Pour éviter les inondations trop graves, on ouvre cette vanne et l'eau est évacuée vers la mer. De ce côté-là, il passe de l'eau bien sûr, mais à droite, juste ce qu'il faut pour faire pousser de l'herbe, et là on va trouver des éleveurs. De l'autre côté là-bas, c'est beaucoup plus sec. C'est le marais desséché sur lequel on va trouver des agriculteurs. Ils font pousser du blé, surtout. Or le blé, c'est pas comme le riz, ça vit pas les pieds dans l'eau. Alors ils ont chacun des intérêts différents. Comment arriver à mettre tout le monde d'accord ? C'est pas facile, hein ? Alors, pour comprendre tout ça, on va aller à la rencontre de ces acteurs-là. Michel, là. Ah, je vous emmène dans un des marais mouillés, le marais mouillé boisé. Boisé ? On va dans le bois. Ah bon ? Regardez une canne et son caneton à gauche. Il y a même des lentilles. Ouais, ça fait un peu brise-glace, enfin, plutôt brise-lentille qui se déplace. Regardez les graines du frêne. Ouais, elles tombent. Les frênes, ce sont les arbres les plus représentés ici dans le marais mouillé boisé. Et alors comme ils sont très denses, ça ressemble vraiment à une forêt, ben, ça attire des oiseaux. Il y en a un là qu'on entend. C'est le loriot. C'est un oiseau africain, d'Afrique du Sud même. Il vient passer 2 à 3 mois chez nous, c'est tout. Il arrive au mois de mai, il repart fin juillet. Il est noir et jaune. C'est un mangeur d'insectes, il mange aussi des mollusques et des araignées. Et puis de temps en temps, quand c'est l'époque des cerises, il arrive juste pile poil lui pour les cerises. Mais il s'en nourrit aussi, il les mange. Oh, les lentilles sont posées sur le fond. Eh oui, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau tout simplement parce que... Enfin, il y a deux raisons. Hein. C'est parce qu'on est en été, donc les pluies sont beaucoup plus rares, mais il n'y a plus d'eau aussi, et surtout, hein, c'est en tout cas mon opinion, parce que qu'est-ce que font les cultivateurs en ce moment pour arroser le maïs ? Ils ont fait des forages, ils ont mis une pompe, et hop, ils balayent avec le jet d'eau les cultures. Mais évidemment, à force, hein, ça tape dans la nappe, le niveau de la nappe s'effondre, ben, voilà le résultat. C'est malin. Salut. Bonjour Sébastien. Michel. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va ? Oui. On a du mal à croire que nous nous trouvons dans le marais mouillé là. Hein ? On va venir voir, on va aller sur la passerelle là, on va dominer tout le marais. C'est sec comme un coup de trique. Mais c'est normal parce que actuellement on en était. Là on se trouve sur le canal qui bordait tout le communal. Il entourait toute la parcelle qui est devant nous. Et ça permettait de faire circuler l'eau et de récupérer l'eau pour l'emmener jusqu'à la mer. Les enfants, vous n'avez pas remarqué quelque chose de bizarre quand même ici ? Non. Regardez bien, le courant est à l'inverse de la normale. L'océan est par là-bas et le courant vient par là. Comment ça peut bien se faire ? Eh bien, c'est que sur la plaine, on pompe tellement d'eau que l'eau du marais revient pour remplir la nappe d'eau douce qu'il y a dessous la plaine. C'est impressionnant.
Oui. L'eau remonte à la source. C'est pas normal. Des fois, les piquets de clôture disparaissent sous l'eau. L'hiver, le paysage est complètement différent. Ah oui, à ce moment-là ? Ah oui, oui, complètement, ouais. Il y a énormément d'eau qui arrive par les rivières et par les ruisseaux et par les sources. Et donc là, c'est une zone d'épandage de crue, on appelle ça. On stocke surtout de l'eau avant de l'envoyer vers la mer. En hiver, on a énormément de canards et d'oies qui viennent s'arrêter sur les prairies pour manger des grains, effectivement, en fouillant dans l'eau. Et puis après, lorsque le milieu s'assèche un peu plus, au printemps, on a des passages d'oiseaux migrateurs qui nous viennent de très très loin des pays du nord de l'Europe et qui descendent ou qui remontent, ça dépend à chaque fois, et ils viennent ici s'arrêter pour trouver des vers de terre, souvent dans la terre qui est assez molle encore. Ouais. Et en fait, le marais, il est quasiment à la verticale d'un point de convergence des migrations, aussi bien des migrations nord-sud que est-ouest. C'est quand même pas par hasard que les oiseaux se retrouvent là, quoi. Non, c'est vrai. On a toujours un très gros couloir qui est suivi par les oiseaux qui suivent en fait la côte. Ils sont tranquilles parce que ce sont des grandes étendues très ouvertes, donc ils voient le danger arriver de très très loin. Et les prédateurs généralement ne s'aventurent pas. Ils préfèrent arriver dans des zones beaucoup plus touffues, beaucoup plus difficiles. Et donc là, au moindre danger, ils peuvent s'envoler et partir un peu plus loin pour se reposer et remanger. C'est des hôtels-restaurants 4 étoiles ici pour eux. Vous avez vu les enfants, tout ce qu'il y a comme libellules ? Elles viennent ici pondre leurs œufs et vivre ensuite quelques temps avant de mourir au début de l'automne. Allez, on s'enfonce un peu dans la prairie. Attention, une marche. On va passer sous la clôture. Il est nécessaire de préserver ces milieux et effectivement, on doit se battre un petit peu pour faire comprendre aux gens que qu'il n'y a pas non seulement des activités humaines à pratiquer, mais qu'aussi il y a des zones qui sont utilisées par la faune sauvage, par la végétation sauvage, et qui sont nécessairement importants à préserver parce que c'est un patrimoine naturel. Il y a quelques années, le marais Poitevin a perdu quelques 20 000 hectares de prairies. Est-ce pour cette raison qu'on lui a retiré son label de parc naturel régional ? Bonjour Tiffaine, il y a longtemps que je t'avais pas vu. Je voulais te présenter Corentin. Bonjour. Bonjour Corentin. Bonjour. Allez-y, vous. Tu veux le chemin, Tiffaine, toi? Oui. Il me paraît que vous faites des peintures sur le marais Poitevin. Alors, c'est pas exactement des peintures sur les marais Poitevin que je fais. Je m'inspire du marais Poitevin. C'est-à-dire que je prends toute ma force dans ce marais que j'aime beaucoup, dans lequel je suis né, que je connais bien. Et puis, à partir de cette inspiration-là, je transforme les dessins que je fais dans la nature en peinture qui donne plus que le marais Poitevin, qui veulent être une représentation que j'ai du monde. Mais c'est le marais Poitevin qui me permet d'être le tremplin pour le faire. D'ailleurs, tu sais, j'ai du travail. Alors, Tiffaine, tu t'occupes de Corentin ? Viens, on va aller voir les toiles. T'as vu, il y en a beaucoup, hein ? Tiens, celle-là, c'est ma préférée. Wow, c'est vachement beau. Une autre fois, on viendra le voir travailler. Maintenant, je vous propose d'aller faire un petit tour en Asie centrale. Au beau milieu des steppes d'Asie centrale, la mer d'Aral s'est en grande partie évaporée. Il y a 30 ans seulement, elle était la quatrième mer fermée de notre planète. Aujourd'hui, elle a perdu plus de 60% de son volume d'eau, alors que deux fleuves la nourrissaient. Ces ports sont désormais à l'intérieur des terres, à 80 km de la côte. Certes, cette mer est peu profonde et les conditions climatiques sont telles que l'évaporation est intense, mais il y a 30 ans, l'évaporation était compensée par les apports naturels d'eau douce déversés par ces fleuves. La mer d'Aral était riche en poissons, la pêche était rentable, des milliers de gens en vivaient. Aujourd'hui, ces bateaux de pêche sont posés sur le sable. Au début du XXe siècle, au nord et au sud de la mer d'Aral, l'agriculture est développée à outrance. Au sud, en Ouzbékistan, les cultures de coton sont en pleine expansion. Au nord, au Kazakhstan, ce sont les rizières qui couvrent le paysage. Or, ces deux cultures sont de très grandes consommatrices d'eau douce. Les fleuves sont détournés, des canaux sont creusés et se répandent comme une toile d'araignée dans le désert. Ce qui devait arriver arriva. La mer d'Aral, qui représentait pour cette immense région un trésor inestimable, s'est transformée en quelques décennies en désert. Les hommes seront-ils capables de redresser la situation ? J'avoue mon scepticisme.
Alors bien sûr, le marais Poitevin est à des années-lumière de cette catastrophe. Mais la vigilance vaut mieux que le désintéressement. Bonjour. Je vais amener Tiphaine et Corentin parce qu'ils ont des questions à vous poser. L'eau pour vous, c'est important ? Le besoin est vital pour l'environnement et pour la prairie naturelle en elle-même. C'est un marais desséché et non déshydraté. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de conserver son eau à l'intérieur. La différence avec le marais mouillé, sa caractéristique, c'est qu'il n'est pas trop ombragé. En période de crue, l'eau est porteuse d'engrais. Elle traverse le marais, elle provient du bocage, de la plaine pour aller en mer, elle traverse le marais, donc d'où le rôle de décantation. Ce qui permet à nos prairies d'avoir une caractéristique différente, une richesse agronomique particulière compte tenu de tous ces éléments environnementaux. Il faut laisser un temps à ces limons de se déposer et ensuite évacuer votre eau de façon à ce que votre herbe puisse respirer. Est-ce que le marais Poitevin a fabriqué des races de chevaux ou de vaches ? Il en reste, certaines, en bovins et également pour les chevaux. Pour les bovins, c'était la race maraîchine. C'était l'une des principales souches de tous les marais atlantiques, de Nantes jusqu'à Bordeaux. Elle a disparu au détriment de races plus lourdes pour le rendement, pour pouvoir nourrir toutes nos populations. Et si tu veux, les chevaux, eux, ont été remplacés par le machiniste, surtout les tracteurs. Ces deux races, maintenant, font partie des races menacées, en voie de disparition. La mulassière poitevine, pour les chevaux, et la maraîchine, en ce qui concerne les bovins. C'est des animaux adaptés au milieu et dont j'essaye de réintroduire la souche. Je vois par exemple les chevaux, ils ont des gros sabots, ce qui fait qu'ils peuvent passer l'hiver dehors. Comme ça, ils peuvent redamer le marais, le rééquilibrer. On a besoin de ces chevaux-là parce qu'ils mangent l'herbe que les vaches ne mangent pas. Ce qu'on appelle le refus des bovins. Et de ce fait, ça crée un équilibre naturel avec les animaux. Tiens, cormoran. Ah, c'est même un grand cormoran. Il plonge. Il revient avec une anguille. Oh, dis donc. Il avale ça tout rond. Il y a beaucoup d'anguilles dans les canaux, comme ça, dans le marais Poitevin. Une de moins. Allez. Là, on est dans le marais desséché, on est dans le marais où on fait des céréales. On a l'exutoire d'un des canaux qui traverse le marais, qui part à peu près de la plaine, et qui traverse sous le marais, et qui arrive dans la baie de l'Aiguillon, dans la mer. Mais elle est où, la mer ? Ah ben, très bonne question. Ben, la mer, alors je vais t'expliquer pourquoi on ne la voit pas. Parce que tous les jours, il y a deux marées. C'est-à-dire que la mer monte et descend deux fois par jour. Et lorsqu'elle descend, tous les jours, elle laisse une petite pellicule de vase, au début sur la vase, et puis après sur les plantes, là, partout. Ce qui fait que le terrain monte. Et au bout d'un moment, ben, la mer vient ici, aux écluses, qu'aux grandes marées. Donc la baie de l'Aiguillon, petit à petit, tu vois, ben, on la voit presque plus. Et dans quelques dizaines d'années, ben, il n'y aura plus de baie de l'Aiguillon. Et ça, personne ne peut rien y faire, parce que c'est un phénomène naturel. Les terrains du côté de la baie sont plus hauts que les derniers polders, là, qui datent de 1965. Parce que ça, c'est la dernière digue qui sépare le marais de la mer. Alors là, on a des plantes d'ailleurs de milieux salés. Hein. Oui. On voit de la salicorne, oui. On voit de la soude, etc. On commence à voir des graminées. Et oui, dans la partie la plus haute. La plus haute, voilà. Et puis de ce côté-là, par contre, il y a des charbons, il y a du blé. Et là, bah, il y a du blé, oui. Ça, ça n'aime pas le sel. C'est la partie asséchée. D'accord. Parce qu'on voit déjà des graminées, là. Donc là, on sent bien que la terre s'améliore. Et elles sont venues naturellement. Elles sont venues naturellement.
Vous savez ce que c'est, ça, les enfants? Non. Ah ben, c'est tout bête. C'est un aménagement qui a été fait pour recevoir... Les anciens avaient fait ça pour les chouettes, là, pour les campagnols du coin, ici. Et puis, dans le reste, on a un autre problème, c'est les busards, parce que les busards font leur nid dans les blés durs, là, et les œufs éclosent pendant la moisson. Donc, où on retire les œufs, on les emmène dans des éclosoirs à l'intérieur des terres. Oui, mais vous ne faites pas ça tout seul? Ah non, c'est des gens qui viennent de la LPO, qui savent où sont les nids, et qui savent quand les petits vont naître, et qui les retirent, ou qui retirent les œufs, ou qui les laissent, mais on fait un petit grillage autour. Et les machines passent à côté, parce qu'autrement, des moissonneuses, on ne les voit pas. On n'est pas toujours d'accord avec la LPO, mais non. En l'occurrence, ça, c'est quelque chose qui marche. Nous voilà arrivés au bout du bout, le port du pavé. Voilà. Avec la baie de l'Aiguillon et la terre qui avance, avance, avance toujours. Alors on ne la voit pas avancer là, hein. Et pourtant, elle avance. Et on en a la preuve. Regardez. Vous voyez ? Petit à petit, vous voyez ce radeau là-bas de végétation? Il a les pieds dans l'eau. Mmh. Et ça, c'est un signe. Ça veut dire qu'à cet endroit, l'eau est très calme et les sédiments se déposent. Donc le fond remonte vers la surface. Et petit à petit, comme le fond continue à monter, eh bien la végétation, elle se répand comme ça. Alors aujourd'hui, on voit des radeaux. Mais dans 10 ans ou dans 15 ans, on se donne rendez-vous ici, qu'est-ce qu'on aura en face de nous? Une prairie. On aura une prairie. Et puis, à ce moment-là, on devra prolonger la route pour aller chercher l'eau plus loin. Quand la mer continue d'envahir, comme ça, la terre, pendant la marée haute, elle amène du phytoplancton et elle amène du zooplancton. Mais qu'est-ce que c'est le phytoplancton? C'est du plancton végétal. Et le zooplancton, qu'est-ce que c'est? C'est du plancton animal. Eh bien, tout ce plancton, il est la base de la nourriture des coqs, des moules et des huîtres. Ce qui justifie l'activité autour de nous. Les mytiliculteurs, les ostréiculteurs vivent ici grâce à ça. Alors, il y a les hommes qui vivent grâce au marais, hein, au marais Poitevin, mais il y a aussi des animaux, regardez là-bas tout au loin, sur la vase. Qu'est-ce qu'on va se déplacer? Des oiseaux. Des oiseaux. Une foule d'oiseaux. Alors ça, c'est intéressant aussi. Parce que de la même manière que les échassiers peuvent se déplacer dans un peu d'eau, et en fonction de la taille de leurs pattes et de l'espèce, ils peuvent vivre dans plus ou moins d'eau, regardez bien les becs de ceux-là. Eh bien, les becs des oiseaux vont nous indiquer ce qu'ils mangent. Par exemple, là, vous voyez, il y a un grand gravelot. Ils ont un bec très court. Bah, eux, ils mangent à la surface de la vase. Bah, alors, ils ont l'œil, hein, il ne se rien passer. Un petit peu plus loin, sur la droite, il y a un autre oiseau. C'est un bécasso variable. Lui, il est en train de manger aussi, mais il plante son bec dans la vase. Vous voyez, c'est un bec un peu plus long. Il va chercher sa nourriture, des vers, à 2 ou 3 cm sous la surface de la vase. Alors on continue l'inventaire, si vous êtes d'accord. Là-bas, le gros oiseau, ben on le reconnaît bien, c'est une barge, on dit barge rousse. Vous voyez, on la reconnaît quand même. Hein. Ben elle, son bec est long, elle va chercher sa nourriture à 10 cm sous la vase. Et le record est détenu par un gros oiseau qui est à un côté d'elle, cette fois derrière elle. C'est un courlis, il peut aller chercher sa nourriture à 15 cm sous la vase. Et on peut continuer comme ça à l'infini. Il y a par exemple un oiseau qu'on trouve ici, mais au loin là-bas, je ne sais pas si on arrive à le découvrir convenablement. C'est le tadorne. Et le tadorne de Belon, c'est un peu l'intermédiaire entre l'oie et le canard. Et lui, il a un bec très plat, il avance dans pas beaucoup d'eau, et il filtre la vase. Et là-dedans, il récupère plein de petits escargots dont il se nourrit. Vous voyez, ça c'est très important et c'est très intéressant pour le naturalisme, en même temps, pour le promeneur. Donc, le marais Poitevin, ben, il génère tout ça. Il est très utile à la vie, très utile à l'homme, et très utile à la nature. Alors, pourvu que ça continue. Je vous laisse observer les oiseaux comme ça, les belles images. On en profite encore un peu.